Have you news? The World Aeronautical Press Agency met Stéphane Castet, president of APE, advances business events on the occasion of aerospace defense meetings, their international business convention which took place in Turin. ABE, c'est une société organisatrice d'événements dans l'industrie aéronautique qui est développée sur un modèle de B2B entre les sous-traitants et les grands donneurs d'ordre. Le but étant de faire des programmes de matchmaking pour aider les sous-traitants à rencontrer les grands OEM ou les rangs 1 stratégiques et aider les grands donneurs d'ordre à identifier des nouvelles entreprises, des nouveaux partenaires et des nouvelles technologies. What is ABE going to plan about business to business? Alors, on a une vingtaine d'événements tous les deux ans dans le monde. L'Italie est un de nos événements les plus importants et les plus stratégiques. La prochaine édition reviendra en 2021. L'année prochaine, on sera au Mexique, on sera en Espagne, on sera à Toulouse, on sera en Allemagne, on sera en Turquie. Donc on a un programme évidemment qui est chargé partout où il y a des grands hubs de la supply chain aéronautique. What do you expect from this event in Turin? Oui, on est très très content. On a vraiment battu des records puisqu'on a plus de 1700 participants alors qu'on en avait traditionnellement 1000. On a 28 pays qui sont représentés. On sent qu'il y a un dynamisme très fort aujourd'hui qui repart sur l'ensemble de la supply chain italienne avec vraiment de beaux programmes, que ce soit au travers de programmes américains, européens, russes et même chinois. Can you tell us what are the future goals of ABE? Pour nous, c'est bien évidemment de grossir aussi l'ensemble de nos manifestations, c'est de grossir la manifestation ici. Pour cela, il va falloir être encore plus innovant parce que l'industrie aéronautique change. Il va falloir être beaucoup plus connecté, aller chercher les nouvelles technologies sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'expérience passager, peut-être travailler davantage sur l'aménagement intérieur aussi des avions. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de leviers sur lesquels on peut avoir des réseaux de croissance et bien évidemment accroître le nombre de participants internationaux.